Ouais, t'as dit quoi les mecs, vous allez bien? Bon les gars, je viens de finir mon stream là, on est lundi, ils arrivent demain, je vais les chercher à la gare, je crois mardi c'est soirée, et après les frères ça enchaîne, hein. Ça enchaîne avec tout ce que je vous aurais annoncé sur le stream, ou tout ce que vous aurez déjà vu de toute façon. Les frères abîmés, on m'a foutu pied, j'ai su aimer mais tu rappes à côté, tu regardes ma sans pitié, je skip le Covid, je pose avec ma clope, avec mon fake up. T'inquiète mon ami, menace par colis, je reçois un snap, mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois? En fait je suis ton père. En fait je suis ton père. T'es dingue, dingue dans ta tête. Et toute la journée je pense à tous ces gars les miens. Ah j'ai charme quand tout le monde me. Au moment où je vous parle, vous savez ce qui s'est passé? Tout s'est déjà passé. Et moi, dans ma tête, c'est un truc de fou. Moi, j'ai rien fait encore. Bref, les mecs, vous embarquez avec moi cette semaine, c'est du lourd. Et vas-y, on se capte. Wesh, frère. Wesh, pas ta chienne. Gros, y'a ramène ta plume, tu fais quoi? Oh merde, putain, frère, on est en retard, Zabi. Re les mecs, j'espère que vous allez bien. On est dans un endroit que vous connaissez. On est chez Dayat et on est avec l'invité. Mais non, mais l'invité, on l'a présenté dans le début. Ah non. Ah non, c'est Jason. Ok, l'invité, vous savez toujours pas qui c'est. C'était un mec qui dormait masqué. C'était un mec, vous savez même pas c'est qui, cousin. Et on est avec le temps attendu, Patachien, masqué, mon gars. Let's go. Dylan. Voilà. Grâce à cette vanne dans tous les épisodes, je vais tout niquer. Bref, et les mecs, on a un ingé son, une masterclass vraiment, un mec de fou. Donc, venez avec nous, on vous emmène dans le studio, ça va être incroyable. Quand je vous dis que c'est une masterclass, c'est vraiment genre un mec. Il vient de la Hure, tu vois. Vous connaissez déjà ici où on est. Let's go. Et de toute façon, plus tard dans la vidéo, on va vous faire un tour des locaux pour que vous voyez un petit peu c'est comment et tout. Je crois que j'entends notre instru là. Je crois que j'entends notre instru, les refs. Ça passe déjà. Wesh, il écoutait quoi là? Ah mon ref, wesh, c'est... Ah Gazo. Lourd, le rap. Je kiffe le clip, il est bien ce clip. Les refs, on est avec Exy, la moula. Qui a le même ensemble que moi, j'ai failli me battre avec lui d'ailleurs, non, grave faux. Exy Beats, un beatmaker de fou. Voilà, dis-nous un petit peu ton, je sais pas, ton palmarès, t'as fait qui, t'as fait quoi? Bah, écoute, j'ai composé pour Nino, pour Landy, pour Alonso, pour Chapella. L'argent facile nous a rendu un gros. Coussa, j'ai la bug qui fait tout. C'est mon projet qui s'en sortit. Et ouais, pour Pay aussi, des petits artistes, on travaille encore avec nous. Voilà, ouais, non, ça fait plaisir, mais c'est toi, ça fait plaisir, t'es fou quoi. Carrément, voilà, petit contact, ça fait plaisir, hein. On a une petite connexion, franchement, ça fait plaisir parce que pour l'épisode 1, on a travaillé avec des gens du studio. Là, ça fait plaisir, nous, on vous a demandé d'envoyer vos prods. On a pas mal écouté et tout, c'était pas mal, franchement, il y avait des bons trucs. Mais c'est vrai qu'une connexion comme ça, les frères, on peut pas négliger. Ça veut dire là, on va voir toute la création de la prod avec Exy qui va un petit peu vous expliquer, tu vois, ce qu'il fait, où on va, dans quelle direction et tout. Nous, on a déjà eu des idées, je vais pas vous mentir, on s'est vu un peu avant et tout. Et d'ailleurs, Exy, c'est un truc de baiser, mais je vous jure, ça m'a choqué. Il est jeune de fou, genre ça veut dire il a notre âge. Il a tout baisé, c'est grave ce mec. Donc bref, on va passer à la partie prod qu'on vous a pas trop montré à l'autre épisode. Donc c'est parti les gars. Non, lui il est plus trap. Moi mon truc c'est la drill. Moi je suis Trixma par la drill. Donc ce que je propose c'est qu'on fasse un medley. On a déjà parlé de toute façon avant. Moi je suis chaud, medley. Première partie un peu en mode ZKR Chimal. Mais avec, tu vois, c'est ce qui est vraiment Chimal, c'est le meilleur exemple. Chimal il kick sur les couplets. Il te fait des refrains autotunés, mais bien propre, tu vois. Bien. Même lui en plus, quand il part dans les aigus, dans l'autotune, c'est bien propre. Du coup, moi je suis chaud, on part sur une belle trap, une bonne mélo. Et drill bien sombre avec un drop méchant. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, c'est parti mon ref. Base guitare au début, guitare au piano. Franchement, je suis plus guitare. Guitare. La magie va opérer les refs. Je suis grave un ingé son, c'est un truc de ouf. Thank you.
Je l'ai pas écouté après. Ça va être Fumé les jeux. Il y a quelqu'un qui a été malade. 15 minutes de tour. Mais on a fait la prod. On a fait les deux. Je vais poser le son. Mais en tout cas, ça va être ça. Je tourne dans la zone. Merco est noir, la mise sur siège passager. Elle veut mon bif, mais elle le cache en refusant mes cachets. Ce monde est sale, on entend trop le bruit des balles. Les braques, les deux traits qui m'ont fait du mal en bref. Ne fais pas le gars qui paraît alors t'as pas. Bienvenue au club! Bienvenue au club! Bienvenue au club! Regarde tous ces vieux mecs qui font crari, ils vendent la machin. Hein. Insulte mon équipe, on vient équiper de machette. Hey. Faut que je me réveille. Mets-moi des claques. Mets-moi des claques. Voilà. Je suis pas réveillé, cousin. Cash out. Wesh, re, les mecs, vous allez bien? Bon, du coup, regardez, on va vous montrer les locaux. Les locaux de locaux. Du coup, les mecs, on est parti. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. Si vous voulez venir et tout, ça bouge pas, vous avez toutes les infos. Du coup, là-bas, vous avez des bureaux, donc je vais pas trop vous montrer. Ici, vous avez l'accueil. Hop, tout ce qui est là, sapin, etc. Et là, vous avez, du coup, le premier studio. Attendez, je vais vous retourner la cam. Putain, quelle technologie de fou. Donc là, regardez les mecs. Ici, premier bail, premier studio. Donc ça, c'est le plus petit. Ça veut dire petit studio tranquille. Voilà, incroyable, hein, incredible. Donc en fait ici la cabine elle est pas dans le petit studio. En fait la cabine elle est juste là, elle est en face. Regardez là, vous voyez il y a une porte et vous avez une cabine. Du coup vous avez direct le retour de l'ingé et tout. Mais vous ne le voyez pas, c'est vrai qu'en vrai moi je préfère voir l'ingé. C'est vrai que c'est mieux. Mais voilà, en vrai il est pas très grand. Mais franchement t'es posé ici, hein. T'es à l'aise. Et quand, regarde, et, enfin, je pense que vous avez vu la différence du son là depuis le début. C'est une dinguerie, donc voilà. Petit studio, voilà, donc là, partie bureau. Et là, nous, le studio où on est depuis toujours, depuis que vous avez vu Ramène ta plume, en bas, là, vous descendez. Donc là, les mecs, le premier studio, hop, enfin, le deuxième studio plutôt, studio A. Ça, c'est les gars, c'est le plus grand. Juste ici, quand vous rentrez, vous avez la cabine, donc la fameuse, hein, celle de ma pépé, celle de plein de trucs. Et là, big studio, les frères, let's go. Il y a Pata ici. Et là, regardez, les frères, il est bien grand. Ici, par contre, t'es à l'aise, tu vois. Vraiment, ça, je sais pas, c'est grand, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà, les mecs, hein. Regardez, ici, ça tue sa mère. Et ce qui est bien, moi, ce que je préfère, c'est vraiment que vous avez une vitre là, vous voyez l'ingé, tu vois. Genre, en gros, là, moi, quand je lui parle, il est juste là. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Voilà, les mecs, n'oubliez pas que si vous voulez venir ici, vous avez le truc du pass culture là que je vous avais expliqué. De toute façon, tout expliqué en description. Et vous connaissez, ça bouge pas. Et vas-y, les mecs, bon visionnage. Non, en vrai, moi j'en mets 3. Hein. Ça, c'est quand je te dis j'aime pas trop sur les 3, c'est vraiment genre. La moins préférée, ouais. 11 sur 10, la moins bonne, genre, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, celle-là, c'est vrai qu'elle est bien aussi. Hein. En plus, j'ai envie de la voler au rappeur, celle-là. Ouais, moi aussi, j'ai envie de la voler au rappeur juste pour dire j'ai volé la prod à Gazo, genre. Il va rien faire. Hey Gazo, tu veux un petit joint de Liberty City là? Vas-y, te fumer. Vas-y, tiens. Tire sur ça, tu vas voir. Ouais, c'est de la frappe. Ah, tu fais quoi là? Tu me fais fumer mon putain d'artiste d'avant qui monte sur scène? Ah ouais, bah je suis con, bah ouais, je suis con. Les mecs, étant donné que le concept de Ramène ta plume, c'est de prendre des mots, des viewers que vous nous avez donnés sur les réseaux sociaux, je vais en profiter, étant donné que l'un est en train de top liner, pour retrouver le tweet, parce que déjà il date un peu, pour retrouver le tweet et choisir, enfin tirer au sort des mots, comme ça on les cale dans nos textes et ça nous permet de tourner autour de ça. Alors attendez, je suis en train de chercher. Ok, c'est bon, je l'ai. Du coup, les mecs, vous avez ce tweet dans lequel, à chaque ramène ta plume, les gars, vous aurez ce tweet où vous pourrez mettre vos mots en dessous. Donc là, regardez, en dessous, j'ai plein de mots. Je vais les... Voilà, ils sont là. Je vais les faire charger. Et ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, différemment à la dernière fois où c'est Raisin qui a choisi mes mots et moi qui ai choisi les siens, là, je vais juste faire ça. Tu vas me dire stop. Je vais mettre mon doigt sur un mot. Et là, par exemple, c'est alchimie, tu vois, par exemple. Je te laisse me dire stop, mon ref. Basket. Genre le basket, B-A-S-K-E-T, genre le sport. Ouais, le sport, je peux pas dire basket.
En vrai, ça va. Si, en vrai, tu peux. Ouais, en vrai, si, t'as le droit de dire basket dans. En fait, c'est le mot basket. Après, c'est pas genre le sens de basket. Tu fais ce que tu veux. Genre, si tu veux faire basket, genre chaussures. Ok, j'en fais un pour moi. Je m'arrête quand j'ai envie. Stop. Non, mais frère, elle. Non. C'est. Je peux pas, ça, je peux pas. C'est LGBT, frère. Je peux pas. Non, ah, pour des, non, pour des soucis de respect, on va retirer ça. Non, parce que ça, bah non, mais. Je suis retombé sur la même. Quoi? T'as vu, je t'ai plié. Non, en fait, regarde, il y a écrit LGBT, chien, trottoir, ours. Mais vu qu'il y en a plusieurs, je vais pas en choisir un, tu vois, c'est. Vas-y, bah, tu sais quoi, scroll et je te dis stop. Stop. Pastèque. Ok, ça va, pastèque. La pastèque. Ok, ensuite à toi. Ah oh non, en vrai, pastèque, c'est chiant. Une pépénée. En vrai, je leur mets une pastèque, ça marche. Stop. Un caleçon. Tu sais que ça me plaît, ça. Les caleçons, on aime bien. Ok. Caleçon. Toi, t'as quoi du coup? T'as caleçon. Basket, caleçon. Basket, caleçon. Ah oui, vraiment, t'es vraiment dans le. Stop. Bush. Mais quoi? Bush, je vais tout niquer. Attends, j'ai quoi? J'ai Bush et pastèque. Oh là là, mes frères, mais. À chaque épisode de Ramène ta plume, je me fais baiser, wesh. C'est pas possible. Ok, attends, je remonte tout en haut. FIFA. Oh, mais je suis bien, moi, frère. FIFA, franchement, il y a des rimes de fou, frère. Hein. Je t'en mets un quatrième. En vrai, j'ai des mots tranquilles à part caleçon, c'est le seul qui est chiant. Vas-y, fais-moi mon troisième et moi, je t'en mets un bonus. En punition, frère, t'es fou ou quoi? Parce que déjà, il me graille sur le sang. Stop. Ah. Stop. Oh, RS3. RS3, let's go. Ah, je suis bien. Ok, je t'en fais un petit bonus. Vas-y. Merde, attends, vas-y. Stop. Andouille. Le mec a écrit le mot deux points andouille. Allez hop, force. Et tu sais que t'as de la chance qu'en dessous c'était anticonstitutionnellement. Non, ça aurait été horrible. Hein. Ok, du coup, petit résumé les frères. Alors attendez, moi je vais écrire dans mes notes pour pas oublier. Vous les avez à l'écran. Du coup, pour Pata, c'est. Caleçon, FIFA, andouille. Basket. Quoi? Basket? Caleçon. Ouais. FIFA. Basket. Caleçon, FIFA et andouille. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Et moi, du coup, c'est pastèque. La pastaga de Marseille. Moi, j'ai pastèque. Ensuite, c'est quoi déjà? Wesh. Bush. Pastèque, Bush et RS3. En vrai, moi, je suis bien. Hein. RS3, c'est, ça tue sa mère. Bush, c'est chiant. Pastèque aussi, c'est chiant. Hein. Leur met des pastèques, frère. On dirait un beauf. On dirait que je suis au bar. Leur met les pastèques. Ouais, je sais pas. La go est fraîche comme une pastèque, je sais pas. Je sais pas. Faut que je trouve un truc. C'est parti, les mecs. On repart à l'écriture. On repart à l'écriture au top line et on se retrouve après. Bisous. Oh. Je vais carrément oublier, hein. Je te jure que je vais oublier. C'est surtout qu'il n'y a pas l'entièreté de ta main. Ah, du coup, tu vois genre. Tes doigts. Bon. Je ramène mon équipe et pas. Ils sont pas équipés, pas. Rien. Je ramène mon équipe et pas. Pourquoi la zone me fait tant de peine? Moi, je tourne et je tourne dans le car. 4 magiques, les pas sans écart. Je rigole et je tease, mes gars sont pas. Y'a un coup de chèque, ma grosse, invite ton PayPal. La pompe. Mignon. T'es chaud. Ah, en vrai, c'est lourd les sortes de monomatopées comme ça, j'aime bien. Parfait, bah vas-y, moi faut que j'avance encore et en vrai on est pas mal hein, sur cette prod là. Hein. Merci. Parfait. One hour later. Je ramène mon équipe et pas, ils sont pas équipés pas. Ray, je ramène mon équipe et pas. Pourquoi la zone me fait tant de peine? Devant l'OPJ ça parle, au retour gros ça te canne. Ton café pas, 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 pas. La concu part, 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 pas. Sa go va cal, 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 cal. La mienne fait rap, ta, ta, ta. Oui, ça chute un peu, mais. Hey, hey. Grrr. Pa, 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 pa. Pata.
Skrr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 r